Amara Bonjour. Ferme ta bouche. Qui t'a donné la permission d'appeler mon nom avec ta sale bouche? Arrête de me saluer à tout moment. Tu veux me porter malheur? Je suis désolée. Ferme-la et désolée pour toi-même. Regarde-toi. Écoute-moi, tu es maudite. Et quand tu réaliseras cela, ça sera mieux pour toi. Tu dois juste recouvrir ton visage de honte. Recouvre ton visage de honte. Parce que tu portes malheur à toute personne qui t'approche. Tu es vraiment malheureuse. Amara, suis-je aussi mauvaise? Tu es encore pire. Même les mots ne peuvent même pas l'expliquer. Écoute, tu es... J'ai juste besoin que tu disparaisses. Disparais. Va-t'en juste loin de ce village. Disparais. Idiote. Une sale fille inutile. Anofia. Vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'elle m'insulte et elle me dit toutes ces paroles méchantes. Je reçois ces insultes tous les jours dans ces villages. Mais je ne m'habituerai jamais avec ça. Le pire est que, quand tout le monde pense que tu es un œuf pourri, tout simplement parce que la mort a emporté ta mère le jour de ta naissance et ton père est mort juste 7 années après ta naissance. Regardez, vous verrez combien ma vie est misérable. Peut-être que vous aussi, vous allez vous joindre à eux pour vous moquer de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de passer. Je cherche du travail. Alors j'ai remarqué cette terre. Et je vis que c'était très sale. C'est pour ça que je regardais à côté. Je cherchais le propriétaire de cette terre pour que je puisse travailler et être payé à la. C'est du mensonge. Tu penses que je ne sais pas? Tu es là juste pour voler les feuilles de manioc déjà ici? Hé! Les feuilles de manioc, mais comment ça? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur là-bas? Vous pouvez vérifier, monsieur. Déjà, j'ai vérifié. Vérifiez. Hey! Donc, tu es là pour voler les maniocs de mon père? Monsieur, je n'ai rien pris. Venez, venez vérifier. Tu veux que je vienne? Là, à l'intérieur. Venez alors, voir. Tu, oui, tu veux me tuer ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je vais t'attraper. Attends. Monsieur, je vois que vous je vais t'attraper. Pas. Regarde-moi ça. Je n'ai rien pris. Vérifiez. Je ne cherchais qu'il y ait du travail. Je veux te dénoncer dans ce village. Ne mets plus jamais tes pieds ici. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez le propriétaire de cette terre pour que j'aille lui demander c'est de travailler? C'est les chats de mon père, c'est les chats de mon père. Ne viens pas ici, ne s'il travaille vous plaît, pas. Aidez-moi. Pas, ne reviens pas ici. N'importe quoi. Mais si je veux juste travailler pour trouver quelque chose à manger, je ne suis pas une voleuse. Laisse-moi vérifier. Hey! Monsieur, je vois que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous expliquer. Hein? Viens expliquer. Je cherche un travail, j'ai faim. Non, viens expliquer. Approche, viens expliquer. Viens expliquer. Approche ici. N'importe quoi.
Que veux-tu ici? Hein? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ma parcelle? Maman, bonjour. Maman, je suis venue te dire que je finis avec le travail que tu m'avais donné. Comment viens-tu de m'appeler? Maman. Comment oses-tu? Hein? Que la foudre s'abatte sur cette bouche par laquelle tu viens de m'appeler, maman? Es-tu folle? Comment peux-tu m'appeler maman? Comment pourrais-je accoucher d'une chose comme toi? Moi, donner naissance à une chose maudite comme toi. Tu veux me tuer? Bien sûr que tu ne réussiras pas. Mes enfants ne m'ont pas tué et tous sont tombés. Hein? Qu'as-tu fait? Méchante fille insensée. N'ose plus jamais dans ta misérable vie ouvrir ta bouche pour m'appeler maman. Le jour que tu oseras, même les dieux que tu sers sera surpris de ce que je te ferai. Stupide fille. Anofia. D'ailleurs, qu'est-ce que tu es venue faire chez moi? Maman, je suis venue récupérer l'argent pour le travail que j'avais fait pour toi. Tu es venue prendre ton argent? Désolée, je n'ai rien. Je n'ai absolument rien à te donner. Donc, disparais du balai. Va-t'en de ma parcelle, va-t'en. Mais maman, tu m'avais promis. Tu m'avais dit qu'une fois que je finirai le travail, que je viens de prendre l'argent. Mais je viens à peine de te dire que je n'ai rien, absolument rien. J'ai pas d'argent. D'ailleurs, pourquoi je te donnerai l'argent? Pourquoi? Maman, l'argent, mais qu'est-ce que tu as fait? Dégage! Depuis hier, je n'ai rien mangé. J'ai très faim, maman. Et j'ai besoin de cet argent pour m'acheter de quoi mettre sous la dent. Tu n'as pas mangé, c'est vrai? Non, j'ai pas mangé. L'enfant maudite vient de dire qu'elle n'a pas mangé depuis hier. Hein? Hé! Hey! Idiote! Ai-je l'air inquiète? Même si tu ne mangeais pas pendant 10 jours ou 10 ans. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Même pendant 100 ans, ça m'est complètement égal. Mon souhait et ma prière est que tu puisses mourir avec cette famine. À la place de te donner cet argent, tant mieux les donner à une chèvre. Je remettrai cet argent à une chèvre. J'ouvrirai sa bouche pour qu'il mange les billets de la banque. Et pas toi, je ne te donnerai rien. Non. Si seulement tu savais combien je t'ai détesté. Non, maman, dégage. C'est pas juste, c'est pas du tout juste. Je faim. Je n'ai rien de mangé quoi, je depuis m'aime. Hier. Meurs. Pourquoi vis-tu? Sors de ma parcelle, sorcière. Tu veux infecter cette maison avec ta méchanceté? Non, tu veux nous infecter avec ta malédiction. Ça ne va pas marcher. Je ne te laisserai pas de l'espace. Non, je ne t'accorderai pas cette chance. Dégage d'ici, va-t'en. Maman, je t'en supplie, donne-moi l'argent. J'ai très faim, je ne saurais partir comme ça. J'ai travaillé pour toi. Tu vois combien tu es maudite. Tu cherches même de l'argent à une personne qui n'en a pas. Dégage! Je vois que tu as envie que je te frappe. Maman, je dis dégage. Donne-moi mon argent. Va-t'en d'ici, sors de ma parcelle, sorcière. Disparais, idiote. Tu veux infecter ma parcelle et ma maison avec ta malédiction. Ne t'approche plus jamais de ces portails. Tu veux que je... Idiote. C'est comme ça que les sorcières se comportent. Tu lui demandes de partir, mais elle insiste. Elle est toujours là. Idiote. Va-t'en, disparais. Tu n'auras rien. Meurs, sorcière. Insensée. Maman? Hein, mon fils? J'ai écouté ta voix. Tu parlais avec qui? N'est-ce pas cette stupide fille éboubée? Hein? Elle a eu les culots d'entrer dans notre parcelle pour venir nous infecter avec sa malédiction. Si je te révolte auprès de cette parcelle, tu verras. Anofia. Eboubé, t'es ici? Elle était ici, mais elle est partie. Ah. Oui, elle était là, mais que veux-tu de moi à cette question? Hein? Je te demande, qu'est-ce que tu veux dire par Eboubé, t'es ici? Maman. Cause everything is working against me, oh. Everyone is against me, oh. The life of an orphan, when you come and look at you, oh. What did I do? Pourquoi les gens sont méchants? J'ai travaillé d'arrache-pied sur cette terre parce que je savais qu'à la fin, je gagnerais l'argent. Mais en fin de compte, ils refusent de me payer. Et qu'est-ce que je fais à ces gens, mon Dieu? Qu'est-ce que je leur ai fait? Quoi? Oh, j'ai très faim, mon Dieu.
Dieu, j'ai faim, j'ai envie de manger. Je dois manger quelque chose. Oh, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Non, personne. Personne ne m'a vu, juste... Je vais porter ceci pour toi. Prends. Merci. Merci beaucoup. Ok, je t'en prie. Ok, j'ai aussi quelque chose pour toi. L'argent. J'avais pensé que tu auras aussi besoin de l'argent pour t'acheter quelque chose pour la maison. Et tu pourras aussi t'acheter tout ce qui te plaira. Hein, Gerlé, achète tout ce dont tu as besoin. C'est au moins 5 000. 5 000? Oui. 5 000? Oui. C'est insuffisant? Oh, non, c'est beaucoup. Hein. Merci. Ok. Tu sais que je Merci. T'aime. Je peux faire tout pour toi. Je t'aime aussi. Désolé pour ce qui s'était passé, okay? Ok? Oui, je prends congé de toi maintenant parce que je n'avais pas dit à maman que je dois me déplacer. Tu vois? Alors, après avoir mangé, lave-moi ces petits sacs. Je passerai les retirer demain. Je vais laver et garder ça. Merci. Je dois aller maintenant. Ok. À demain. Sois prudent, s'il te plaît, que personne. Fais attention. Demain. D'accord. C'est bien. Ah! Ah! Oh, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va. C'est Alors, bon appétit, ok? Ah, je n'ai pas acheté de l'eau. Est-ce que tu as de l'eau à la maison? Oui. Ça va. Demain. Bye. Et personne n'aime boire de l'eau chaude. Ah, peut-être que je dois aller à la boutique de Matochou et la supplier de m'échanger avec de l'eau froide. C'est ce que je dois faire. Dieu, s'il te plaît, envoie-moi des clients qui vont acheter de l'eau que je vends aujourd'hui. Je t'en prie, mon Dieu. Aide-moi à trouver des clients, Seigneur. Ma
vie ne peut pas être meilleure, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Pourquoi le malheur ne fait que se répéter toujours? Pourquoi toujours moi? Suis-je aussi mauvaise au point où les gens ne peuvent pas acheter de l'eau que je vends? Pourquoi? Oh mon Dieu! Ah, méchante fille! Oui, méchante fille! Tu es une méchante fille! Je vais dire ça. Tu ne viens pas me voir! Arrête-toi! Arrête. Je dois partir! Alors, oui! Maintenant tu sais à quel point je t'aime! Oui, maintenant je réalise combien tu m'aimes! Tu es très belle! Tu es la plus belle fille que j'ai rencontrée. Viens là. Oh, arrête ça. Et de toutes les façons, passons à autre chose. Quand est-ce que tu me donneras l'argent que tu m'avais promis? Ah, encore l'argent? Mais bébé, je t'avais donné l'argent hier. Ah, bébé, là c'était hier, non? D'ailleurs, je suis une femme et j'ai besoin d'argent tous les jours. L'argent tous les jours? Mm-hmm. Ah. Et c'est comme ça que ça marche? Oui, bébé. Je n'ai pas l'argent maintenant, mais je vais essayer de t'apporter l'argent le soir. Vraiment? Oui. Ok, merci, bébé. D'accord. Okay. Quand? Le soir, non. Je crois que tu ne viendras plus en retard cette fois-ci. Quand tu m'apporteras l'argent? Ok, premièrement l'argent? Oui. Je te l'apporterai. Okay, bye, prends soin de toi. Ok, bye. Ah! Vraiment. Où est-ce que je trouverai l'argent? Problème, problème, problème. Ah! Ma petite. Que j'ai comme argent. Si j'utilise cet argent maintenant, je ne sais même pas ce que je mangerai demain. Que dois-je faire? Hé, Dieu! Je n'arrive même pas à prendre soin de moi. Je n'arrive même pas à me nourrir moi-même. Honnêtement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de la vie. Je suis fatiguée de tout. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ah, oh. Non. C'est à moi que tu parles? Oui, j'étais en route, je venais chez toi. Tu venais chez moi? Pourquoi? Je venais chez toi pour savoir si ton père n'a pas de boisson légère ou je peux aller sarcler pour lui. Et qui t'a dit que tu devrais venir chez moi? Oh, tu allais venir nous affecter avec ta malédiction? Apparemment, tu ne comprends pas. Tu devrais déjà être morte. Tu devrais déjà être morte. Tu es comme une épidémie qui vient dans ce village pour nous infecter. Et tu refuses de t'en aller. Tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Mais je venais chez toi pour savoir si ton père n'a pas de travail que je peux faire à votre place. Comme et ça, alors, vous... qui te l'a demandé? Comment tu peux juste venir chez moi comme ça? Écoute, je ne vais surtout pas te voir. Je ne vais pas voir tes sales pattes chez moi. Si tu l'essayes, je te casserai les jambes. Je voulais venir chez toi. Je vais venir chez toi.
s'il te plaît. Vous voyez votre champ. Je serais ravie de travailler dessus avec vous. Écoutez, vous pouvez me payer tout ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Donc tu veux apporter ta malédiction pour venir travailler dans le champ de mon père, pour que cette malédiction détruise notre champ. C'est ça ton plan? Écoutez, si ça ne vous dérange pas, je peux personnellement aller supplier votre père pour qu'il me laisse travailler dessus. Écoute, monsieur, je n'ai pas mangé depuis hier. J'ai vraiment faim, je cherche quelque chose. Donc tu veux travailler? Oui. Tu es sûr que tu veux travailler? Oui, je vais travailler. Okay. Allons-y, suis-moi. On y va. D'accord. Comme tu peux les voir à partir d'ici, jusqu'en bas là-bas. Ok, je pense que tu sais bien faire ton travail. Alors, fais-le très très bien. Vous n'allez donc pas travailler avec moi? Pourquoi avec toi? Comment? En commençant par où? Et finir par où? Quand est-ce que tu commences? Je commence tout de suite là. Mais c'est juste que je ne saurais pas finir aujourd'hui. Peut-être demain à la première heure. Peu importe le temps que tu finiras, tu sais. Ne viens pas demander l'argent si tu n'as pas encore fini. C'est chiant. Je finirai d'abord le travail avant de prendre l'argent. Merci beaucoup. S'il vous plaît, laissez-moi aller prendre mes outils et je reviens. Ah, qu'est-ce que tu attends? Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, chérie. Tu aimes ça? C'est délicieux. Qui l'a préparé? Ma mère. Ah, tu as faim? J'ai faim. Doucement, doucement. Il y a aussi de la viande là-bas. Oui. Fais comme ça. Tu l'as fini? Oh oh. C'est délicieux. Je te l'apporterai encore plus. C'est vrai ça? Waouh! Tu as tout fini? Oui, merci beaucoup. C'est bien. C'est merci. Bien. Merci infiniment. Tu sais quoi? J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Merci. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie. Ah, bébé. Tu vois? Tu sais que je t'aime. D'accord? Je veux que nous... que cette relation ait une autre dimension. Tu vois? J'aimerais que tu m'apprécies. Ok? Ali, arrête ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te comprends pas. Allez, tu n'es pas une petite. Tu sais de quoi je parle. Tu sais que je suis toujours vierge. Et je m'étais décidé que je ne le ferais pas avant le mariage. Donc, qu'est-ce que tu dis que je ne vais pas t'épouser? Je vais t'épouser. Ok, c'est bon, mais doucement. Prenons notre temps, s'il te plaît. Hein? Jusqu'à ce que nous serons mariés. Même une fois, bébé, moi aussi je suis chaste. Oui, même une fois, écoute, je le ferai doucement. Je t'ai promis. S'il te plaît, arrête. Laisse, non. Arrête ça, allez. Je viens de dire que je ne le ferai pas, donc arrête d'insister. Mais je t'apporte chaque fois la nourriture. Oui, je sais, j'apprécie cela. Ça me va trop. Non, n'apprécie pas quelqu'un de cette manière. Si tu veux m'apprécier, apprécie-moi bien jusqu'à la fin. Hein? Même une fois. Non, ne fais pas ça. Arrête. Arrête de faire comme ça. Arrête de faire comme ça. Tu ne m'aimes pas. Voilà pourquoi tu refuses. Tu ne m'aimes pas. Tu as fini ma nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire alors? S'il te plaît, non? Non. Arrête de crier. Arrête. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? J'ai pas envie de le faire, tu ne comprends pas pourquoi. Écoute, tu sais que je t'aime. Hein? Bébé, écoute. Quand nous serons mariés, je te le donnerai le matin, à midi, le soir, la nuit, n'importe quand. Je serai tout à si toi. Si je te dis que je ne vais plus encore t'apporter à manger, comment est-ce que tu vas te sentir? Tu es égoïste, tu es égoïste.
Ah! Tu n'as pas encore fini? Je vais bientôt finir. Tu es très paresseuse. Je t'ai apporté la nourriture. Et pourquoi tu veux la nourriture? Pourquoi je te donne la nourriture et tu veux me toucher? Merci. Pas de cuillère? La cuillère? Oui. Donc tu m'envoies d'aller chercher la cuillère pour toi? Est-ce que les animaux utilisent la cuillère? As-tu déjà vu un animal manger avec la cuillère? Et tu veux une cuillère? Désolée. Désolée pour toi-même. Aussi j'ai de mon argent. Est-ce que je l'aurai une fois que j'aurai fini complètement avec le travail? Je t'avais dit. Tu vas me demander là-dessus si tu finis. Mais pourquoi tu me demandes encore? Es-tu malade? Désolée. Travaille, continue. Merci pour la nourriture. Remercie toi-même. Ne me remercie pas. Moi, finis c'est mon travail. Ne reviens pas à la maison si tu n'as pas encore fini. Oh. N'importe quoi. Life has no meaning for me. Life has no meaning for me. 'Cause everything is working against me. Oh. Everyone is. Hey, qui est-ce que tu regardes comme ça? S'il te plaît, est-ce que mon soeur est là? Je ne sais pas, je vais aller voir. Oui, vérifie. Merci. What did I do? Oh, well, on the metal. Many run or garage. Men as or the rumba. J'ai fini le travail. Je suis là pour mon argent. Les assiettes. Merci beaucoup. Oui, ma famille ne mange pas dans les mêmes plats que les animaux. Oh, je vois. Au sujet de mon argent. Dans tes rêves. Bien, mon père ne m'a pas donné l'argent que tu as demandé. Donc, il ne peut pas te payer. Désolé. Ah, non, So. Tu m'avais promis. Tu n'es pas intelligente. N'est-ce pas? Si tu étais vraiment intelligente, tu allais savoir que les promesses peuvent être brisées. Non, So, écoute. Même si tu ne peux pas me payer aujourd'hui, est-ce que je peux revenir demain ou après-demain pour récupérer mon argent? Tu sais pourquoi tout le monde te déteste dans ce village? Y compris même ma famille. Donc si tu as décidé de ne plus travailler dans notre champ, alors tu peux partir. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en prie. Viens, ne me fais viens, pas je vais ça, te montrer un truc. Mais non, So, c'est pas juste, tu m'avais promis. Viens prendre ton argent, viens. Non, So, s'il te plaît, arrête cette blague. Regarde. Essaie de traverser. Non, So, je t'en prie. Je ne vais plus te voir, ne t'approche plus de moi. So. Oh, mais c'est quoi cette blague? Non, So. Ah, non, So, c'est pas juste, c'est pas juste après avoir fait ce très grand travail. Ah. Oh, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai aussi très faim. Oh. Hey. Tu n'as pas vu? Tu es malade? Non, es-tu aveugle que tu ne m'as pas vu venir? Je suis désolée, je ne t'ai pas vu venir. Non. Comment tu peux même me voir? Bien sûr que tu ne peux même pas me voir. Ta malchance t'a aveuglé jusqu'au point que tu ne vois plus rien. Hein? Stupide chèvre!
Nogolia, écoute-moi bien. La prochaine fois que tu vas répéter encore cette chose, tu verras ce que je te ferai. Cette petite sale fille, regarde-la. Tu n'as aucun sens, sale imbécile. Ma vie ne connaît pas le bonheur. Tous les jours dans ces villages, c'est comparable à un horrible cauchemar. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de mal dans ces villages? Des problèmes me suivent de partout, par-ci, par-là. Qu'est-ce que je fais de mal? Ça va continuer jusqu'à quand? Sorcière! Sorcière! En quoi puis-je t'aider? Maman, j'ai... N'ose pas! Si j'entends ces mots sortir de ta bouche, je vais t'arracher la langue! La maman de qui? Ta maman? Je t'avais prévenu de ne plus jamais m'appeler comme ça! Parce que je ne peux jamais donner naissance à un enfant méchant comme toi! Jamais! Allez, disparais de ma parcelle! De quelle maman es-tu en train de parler? Disparais, je ne veux pas te voir! Maman, mon œil! Je suis désolée! Que cette désolation t'arrache la langue! Est-ce que je t'ai demandé des excuses? Est-ce que je t'ai demandé d'être désolée? Où? Quand? Je n'en ai pas besoin. Et surtout pas venant de toi. Idiote! Parle à la place de ronronner, maman si, maman si. Pourquoi es-tu venue chez moi? Maman, je suis venue savoir si tu as changé d'avis pour me payer l'argent que tu m'étais vu d'autre fois. Je n'ai rien. J'ai besoin d'argent pour acheter quelque chose à manger. Hey, j'ai faim. Tu parles de cet argent? Oui. C'est lui que je t'ai devé? Oui. Amour. Ah! Désolée. Je vais te le donner. Est-ce pour ça que tu pleures? Essuie tes larmes. Ne pleure plus. Ça va. Ah, juste à cause de cette petite somme que tu pleures. Allez, essuie tes larmes. Ok, je t'apporte de l'argent. Je te l'apporte. C'était combien déjà, dis-moi? C'est juste 2300 nera. Tu veux maman. Dire 2300 nera? Oui, maman. C'est bon, t'inquiète pas. Oui. Je vais te donner 5000 nera. Hé, maman, tu vas m'ajouter 2700? Je vais te le donner. C'est rien du tout, c'est pas grand chose. Je suis une bonne personne. Allez, récupérez. C'est pas un problème. Je vais te donner 5000 nera pour que tu puisses résoudre tous les problèmes que tu as dans ce monde. Oui, maman. Hey, tu as dit que le 2300 que je t'ai devé plus les 2700 que je vais ajouter, ça fait 5000, hein? Oui. Prends ce que tu vois. Idiote. Animal. Ça te suffit? Veux-tu encore plus? Je te pose la question. Veux-tu que je rajoute, idiote, sorcière? Enfant maudite, tu es venu demander l'argent à qui? Quel argent es-tu venu me demander? Réponds, quel argent veux-tu que je puisse te donner? Tu dois remercier le ciel pour avoir travaillé pour moi. Remercie ta bonne étoile, idiote. Va remercier ton Dieu parce que tu as eu à travailler pour quelqu'un comme moi. Tu es venu chercher l'argent. Attends que je te rajoute de l'eau. Attends que je rajoute de l'eau, tu verras. Où est-elle? Oh! Tu es parti? Tu aurais dû rester. Tu aurais dû rester pour recevoir ton argent. Idiote! Tu as les culots d'ouvrir ta bouche pour dire que je suis venu récupérer mon argent. Quel argent? Viens, je vais te nourrir aujourd'hui. Animal. Idiote. Je t'attends. Viens prendre ton argent. Ce n'est pas tel le poulet. Eboubé, tu viens vraiment de là? Regarde ton corps. Y a-t-il quelqu'un qui a déversé sa colère vers toi? Eboubé. Peut-être que tu es encore allé commander l'argent. La seule chose qu'ils font dans ce village, c'est utiliser. Rien de plus, juste utiliser et te laisser comme ça. Eboubé, tu dois avoir honte de toi-même. Ils te considèrent comme un instrument.
Ils vont juste t'utiliser et t'abandonner. Rien de plus. Hein, stupide fille. Tu n'as vraiment pas de valeur. Hey, hey, boubé. Hey. Cette fille ne nous donnera pas la paix. Waka, waka, waka. Mon amour, je suis désolé. Je suis désolé de ce qui s'était passé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ma mère agit comme ça. C'est bon, s'il te plaît. Juste parlons d'autre chose. Mon amour. Oh oui. Au lieu de parler autre chose, pourquoi ne ferions-nous pas une nouvelle chose? Oh, s'il te plaît, ne commence pas. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Et Bobé, pourquoi tu me fais tout ceci? Mais qu'est-ce que je ne suis pas ton homme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Hein? Je quitte chez moi loin pour venir te voir presque tous les jours de ma vie. Mais tu n'apprécies même pas ce que je fais. Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande? Pourquoi? Mais qui a dit que je ne t'apprécie pas? Hein? Allez bébé, allez. Je suis ton petit ami. M'aimes-tu pas? Je t'aime aussi beaucoup. Et pourquoi tu ne me permets pas juste essayer de faire Peter, l'amour? S'il te plaît, arrête. Je t'ai dit que j'ai pas envie de les faire. Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête pour ça. C'est ce que tu as toujours dit tous les jours. Quand est-ce que tu seras prête alors? Quand? Si tu veux que nous les faisions, alors viens m'épouser. C'est comme ça que mais Boubé, écoute, tu es déjà ma femme. Tu l'es déjà. Je ne suis pas prêt financièrement maintenant pour pouvoir t'épouser. Je ne suis pas prête à faire ce que tu me demandes. S'il te plaît. Attends, et Boubé, tu veux est-ce que je commence à te tromper? Mais pourquoi veux-tu le faire? Alors pourquoi tu m'évites? Pourquoi? Viens s'il alors, bébé. Arrête. Tu sais quoi? C'était une mauvaise décision de venir te voir ce soir. Je suis parti. Obi, mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Peter? Peter? Est-ce que je dois garder une part? Non, je dois me rassasier aujourd'hui. Que je prends de l'eau. Il me faut de l'eau. Hey! 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 Ouh! Aïe! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Ouh! Oh, mais c'est quoi ce genre de problème de nourriture que j'étais supposée manger? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux faire, mon Dieu? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Ah! Je n'avais que ça à manger aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Qu'est-ce que je vais manger? Oh! Meniru nogaraga menazu odiromba. Et Boubé. Ah, tu commences à vendre les bois maintenant? Hey! C'est très bien. Il y a quelque chose de bon à toi. Tu es tellement débrouillard. Mais as-tu déjà pensé à cela? Crois-tu vraiment que les gens vont acheter tes histoires avec ta malédiction? Tu perds juste ton temps. Donc ce que tu es en train de faire, si tu finis, tu emballes tes histoires et tu pars. Une fille maudite. Tiens! Achetez les bois de chauffage. Venez vous procurer de bois de chauffage.
acheter le bois de chauffage. Bien, 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 bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Devant la boutique de ma mère. Non, rien du tout. Je ne fais que me reposer. Allez, dégage. Prends vite ton bois de chauffage. Je suis sûr que c'est à cause de ta malédiction que la boutique de ma maman n'évolue pas bien. Je suis sûr que c'est à cause de toi. Tu es une folle. Venez voir une voleuse. Hey! Tu pars pour ne plus revenir si je te vois encore. Sorcière maudite. Cynthia, je te préviens. Reste loin d'Odo. Reste loin de lui. Si tu as besoin d'un homme, pourquoi pas aller t'en trouver un? Hein? Ceci est la dernière fois que je te préviens pour lui. La prochaine fois que je te verrai près de lui, je vais m'assurer de ne pas te laisser en vie pour raconter cette histoire. Écoute, ce ne sont pas juste des mots, mais c'est une promesse. Bien. On dirait que tu ne me connais pas, mais je ne suis pas du genre de personne qui abandonne si vite. Si tu veux de lui, alors viens le récupérer. Cynthia, tu me défies, je te défie. Cynthia, tu me manges, je te défie. Mais pourquoi est-ce que vous vous disputez? En quoi cela te concerne? Qui t'a invité dans notre conversation? Tu penses que tu viendras avec ta malédiction et ta malchance dans notre conversation? Je suis désolée, j'étais en train de passer et j'ai aussi entendu en train de vous discuter. Tu pensais quoi? Qu'est-ce que tu pensais? Regarde-moi, c'est là-haut. Et donc, tu penses que tu vas nous apporter ta malédiction dans notre conversation? Tu penses que tu vas... Es-tu folle? Es-tu folle? Si tu oses encore le faire, la prochaine fois, si tu oses encore le faire, tu regretteras pourquoi est-ce que tu es venu dans ce monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, récupère tes choses et dégage d'ici. J'ai dit va-t'en d'ici. Je ne crois même pas qu'elle s'aime elle-même. Regarde-moi cette chose. Depuis quand tu as commencé à t'intéresser à nous? Va-t'en d'ici. Depuis quand? Désolé, je t'ai dit de partir. Vas-y, dégage d'ici, vas-y, dégage. Tu es folle? Va-t'en de cet endroit. Passe avant que je te gifle. Vas-y, va-t'en, sinon je te ferai par force. Es-tu folle? Va-t'en! Toi, tu es stupide. Et toi, la prochaine fois, si tu l'essayes, je vais te gifler, je vais te frapper. Respecte-toi. Et toi, reviens ici, je m'adresse à toi. Si tu l'essayes encore, respecte-toi, je t'ai dit. Tu ne vas pas aimer ce que je te fais. Je te préviens encore. Tu ne vas pas aimer ce que je te dis. Maudite, un sale instrument de jeu. T'es-tu égaré ou quoi? Comment oses-tu me poser cette sale question? Tu dois vraiment remercier Dieu. Une fille bénie comme moi est venue te saluer avec ma présence aujourd'hui. Alors, merci. Parfait. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Viens travailler dans notre chambre, mon père va te payer. C'est vrai. Ferme ta gueule. Viens, suis-moi. Hey, reste là. Ne te rapproche pas trop de moi. Tiens-toi un peu en distance. Je ne veux pas que les gens me voient marcher avec toi. Mais reste là. D'accord. Merci.
Ça, c'est bien. Vas-y. Merci. Je savais déjà, ne me remercie pas. Alors, quand tu auras fini avec le chant, ça ne sert à rien de venir chez moi me demander l'argent. Tu viendras me le donner chez moi à la que maison. Que Dieu m'en épargne. Que Dieu m'en épargne. Ça, jamais. Écoute, la chose est que mon père m'a déjà donné l'argent pour appeler Dosier de venir le faire. Mais du fait que mon petit ami a besoin de l'argent, je dois d'abord régler cela. Amara, s'il te plaît, donne-moi même la moitié de l'argent. Je t'en supplie. J'en ai vraiment qu'est-ce besoin. Qu'est-ce qu'il a à se lamenter? Je t'ai déjà donné la nourriture et de l'eau, non? Hein? Je t'ai déjà dit que mon père m'a donné l'argent pour donner un Dosier. Pour venir travailler au champ. Mais puisque mon petit ami a besoin de l'argent, je lui ai remis cela. Et toi, tu es là pour faire ce travail à sa place. Et je t'ai donné du pain. S'il te plaît, mange le pain et bois un peu d'eau. Et où est-ce que tu vas? Je ne suis pas stupide. Je sais juste de survivre. Si ton petit ami a besoin de cet argent plus que moi, tu peux l'appeler pour qu'il vienne faire ses travaux. Et qui va faire le reste du travail que tu n'as pas fait? Je devrais d'abord la laisser finir avant que je lui dise. Oh, ça m'abouche. Ma bouche me met toujours dans les problèmes. Ma bouche. Hein? Qui fera maintenant ce travail et avec quoi je vais lui donner? Hein? J'aurais pris l'argent à donner à mon petit ami. Oh, je dois maintenant faire ses chants. Oh. Pourquoi les gens sont méchants envers moi? Pourquoi sont-ils méchants avec moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne mérite pas ça. C'est vraiment injuste. C'est injuste. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec moi? Mais quand vont-ils arrêter de me traiter comme si j'étais une chose dans ces villages? Quand? Quand est-ce que ceci prendra fin? Ah. Je ne comprends pas pourquoi ces gens me traitent comme ça tout moment. Je ne leur ai rien fait, mon Dieu. Ah. Je suis encore là. D'accord, écoute. Je crois que tu t'attendais que je t'apporte à manger. Oui. Ma mère n'a pas préparé aujourd'hui, alors... J'ai décidé de t'apporter un peu d'argent. Prends tout cet argent. J'ai souffert pour avoir cet argent. Sache que c'est parce que je t'aime que je fais pour t'apporter cet argent. Utilise-le en achetant tout ce dont tu as besoin. Tu peux même aller au marché acheter la ration. Pour les stocker dans ta maison. Merci. Tout ceci, c'est parce que je t'aime. Merci beaucoup. Je t'aime aussi. Je t'en prie. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui? Pas grand-chose. Écoute, j'ai pas envie de me rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, comment était ta journée? Rien de spécial, j'étais juste en train de passer à toi. Tu sais, pour un moment qu'on doit passer ensemble. Je crois que je t'aime encore plus. C'est vrai. Mm-hmm. Je t'aime aussi. Es-tu sûr? Mm-hmm. Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Mm-hmm. Est-ce que tu peux l'éprouver? Mmh. Celle-ci, c'est ma femme. Ne commence pas, Peter. Pas ça. Sommes-nous obligés de faire ça chaque fois que tu viendras me voir? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pensais que tu es heureuse parce que je t'ai apporté de l'argent. Je suis contente, mais c'est juste que j'ai pas envie de faire ces histoires que tu me demandes. Je l'avais dit jusqu'au mariage. Mais tu m'as dit que tu m'aimes et tu peux me l'éprouver. Peter,
peu importe la personne qui t'a dit qu'une femme doit te donner son corps en guise de remerciement pour ce que tu fais pour lui, t'a menti. Ah, ah. Je suis sérieuse. Attends. Eboubé, qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est quoi le problème? Je t'aime de la même façon que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas, ça c'est vrai que tu ne m'aimes pas? Hein? Je viens te voir tous les jours, je t'apporte à manger. Pour m'assurer que tu ailles bien, tu souris avant d'aller au lit. Je fais pratiquement tout pour te montrer combien je t'aime. Et moi, je te demande juste qu'une seule chose, une. Ouvre pour moi tes jambes. Et ce n'est pas comme je me réjouis seul. Nous allons nous réjouir ensemble. Mais tu continues toujours à me visiter, ce n'est pas juste. Sincèrement, ce n'est pas juste. Je suis un humain. Écoute, parce que tu es en train de dire, Peter. Si moi aussi j'avais de l'argent, j'allais commencer à t'aider. Hein? C'est juste parce que j'ai pas d'argent. À t'entendre parler, c'est comme si le sexe n'était rien pour toi. Mais quant à moi, le sexe représente tout. Oui, parce que je suis vierge. Mon corps est ma fierté. Je le respecte beaucoup et j'ai pas fait tous ces chemins pour que Arrête! Arrête avec ça. Tout le temps, je suis vierge. C'est toi la Vierge Marie? Chaque fois, je suis vierge. Tu ne sais pas que je suis aussi chaste? Hein? Tu es vierge et c'est ce qui fait ta fierté. Cette fierté te donnera à manger. Cette fierté que tu as te donnera l'argent. Cette fierté te visitera aussi tous les soirs. Ce sont des bêtises. D'ailleurs, je pourrais récupérer même mon argent. N'ose plus jamais. D'ailleurs, commence à m'éviter. Es-tu la seule vierge? Life has no meaning for me. Life has no meaning for me. Cause everything is working against me. Oh. Everyone is against me. Toc. J'ai besoin d'acheter du savon. Eboubé. Oui? Tu es venue dans ma boutique? Oui, j'ai besoin d'acheter du savon. Ha. Tu es venue dans ma boutique? Oui. Je n'ai pas les savons, va-t'en. Mais n'est-ce pas que c'est du savon que je vois là-bas? Eboubé, va-t'en, je n'ai pas les savons. Prends ton sale corps de sorcellerie et va-t'en d'ici. Je vais juste acheter Eboubé, du... Eboubé, va-t'en, non, est-ce que c'est pas fausse? Es-tu sourde? J'ai besoin de l'acheter ailleurs. Je ne vais pas vendre. Prends ton sale corps et dégage de ma boutique. Et c'est par force. Où est mon balai, oh, s'il te plaît? Où est mon balai? Tu es venu pour me porter malheur. Mba, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Eboubé. Ne viens plus jamais dans ma boutique. Ah ah. Sorcière. Petite fille. Hey, Eboubé. Tu n'as ça? C'est à moi que tu t'adresses? Tu n'es pas une fille maudite? Je t'ai déjà fait du mal. Tu ne le sais pas. Tu es une fille maudite. Tout le monde sait que tu as tué tes parents et que tu es une sorcière. Une fille maudite. Ouh, assassin. Ernestine, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que je vous ai déjà fait du mal? Tu ne sais pas. Vos mères vous ont dit que je suis une sorcière. Bien sûr, oui. Oui, tu es une sorcière. Et c'est pour ça que vous m'insultez? Partons vite d'ici avant qu'elle nous tue. Mais qu'est-ce que je fais à ces gens? Ils ne peuvent pas me laisser faire mon chemin calmement sans pour autant me déranger. Même ces deux petites. Ah. Ah. Je marche calmement sur la route, ils m'insultent. Je fais du travail pour eux, ils ne me payent pas. Je vends le bois de chauffage et ils le prennent en crédit. Mais qu'est-ce que je leur ai fait dans ces villages pour qu'ils ne peuvent pas me laisser tranquille? C'est pas grave. Vos mères vous ont dit que je suis une sorcière. Thank you.
Maman, où es-tu? Papa, où es-tu? Oh Dieu! Où es-tu? Pourquoi m'avoir ramené dans ce monde pour me laisser souffrir? Et toi, aveugle, vous ne voyez pas comment je souffre? Vous ne voyez donc pas comment est-ce que je souffre? Je n'ai personne. Personne ne se soucie de moi, personne même. Même quand je travaille pour eux, ils refusent de me payer, ils me font souffrir. Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Papa, papa, où es-tu? Vous ne voyez donc pas comment je souffre? Oh Dieu! Même des gens que je croyais qu'ils m'aimaient, même des gens qui m'aidaient, ils m'ont tourné les dos. Comment suis-je censé vivre? Comment? Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Maman. Ah, maman. Maman, où es-tu? Où es-tu, maman? Ah, maman. Je souffre, je suis fatiguée. J'en vais plus. J'en vais plus. Ah, ah. Oh Dieu, oh Dieu, où es-tu? Peter doit venir. Il doit venir. J'ai vraiment besoin de lui. Oh mon Dieu, j'ai très faim. J'ai faim. Non, il doit venir. Non, Peter doit venir. Il doit venir. Il doit venir, mon Dieu. J'ai très faim. Ah. Mon Dieu, Peter doit venir. Il doit venir. Je ne serai pas supportée. J'ai très faim. Il doit venir. Tu aimes ça? Je te l'avais dit. Ma mère s'est préparée. C'était à cause de la nourriture que mon père avait épousé ma mère. Waouh! Mais j'espère que le repas te plaît. Oui, maman, c'est vraiment délicieux. Maman, je t'avais dit, tu es la meilleure cuisinière au monde. Laisse-moi te donner la viande. Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Elle ne s'est pas trompée de chemin. Laisse-la, pardon. Non, 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 je ne me suis pas égarée. Je suis venue. Laissez tomber. Je crois que je me suis vraiment égarée. Bien sûr que oui. Bien sûr, tu as perdu ton chemin, n'est-ce pas? Dégage de la vite. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Folle. Pourquoi s'est-elle enfuie? Elle voulait manger. Je pense qu'elle a des problèmes mentaux. Je le pense aussi. Elle doit être folle. Stupide sorcière. Une fille insensée. Juste regardez-la. Mais ma chérie, juste mange ta nourriture, oublie cette sorcière. Merci. Elle veut manger, elle a faim, c'est pourquoi elle était venue. Maman, pardon.
Que les portails soient fermés. C'est toi qui devais verrouiller les portails et pas moi. Bébé, fais-moi manger. Non. Elle est juste entrée comme ça. Hein? Mmh? Tu veux que je te donne la viande? Mmh. Mmh. Est-ce que la nature t'a puni? Tout simplement parce que tu étais entré dans ma parcelle? Ou soit, suis-je réellement maudite? Mon cher, tu dois vraiment être triste, peu importe là où tu te trouves. Non, ce n'est pas vrai. C'est quoi qui était justement mort, mais maintenant ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Était-ce mes mains ou mes larmes? Je suis certaine que ces coqs étaient morts. Oui. Simplement, peut-être que j'avais tort. Non. Il était mort. Mais alors, comment il est revenu à la vie? Est-ce que mes yeux sont en train de me jouer du tour? Je dois vraiment réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas les laisser comme ça. Regarde-toi, tu ne peux même pas me fixer les yeux parce que tu as tort. Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour dire bonjour à tes aînés. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux même pas dire bon après-midi, bonjour, bonsoir. Tu ne peux pas le faire avec ta sale bouche. De toutes les façons, je ne crois pas que le bois que tu as là, tu l'as pris dans mon champ. Hein? Je ne pense pas que tu l'as eu dans mon champ. Ton champ est proche de ta maison. Et si j'ai bonne mémoire? Tu viens de cette direction. La stupide fille, stupide un bon à rien. Je crois que ces bois ne m'appartiennent pas. Je crois que ces bois ne m'appartiennent pas. Que je vienne de ma maison ou pas. Parce que tu peux aller dans mon champ avec n'importe quel chemin. Et parce que si je contrôle mon champ et je vois un man, je ne sais pas ce que je vais te faire. Voler ce que tu es. Tu es voleuse. Tu es supposé de croire que tu es voleuse. Rien ne va avec toi. Même si tu as le bois sur ta tête, rien ne va avec toi. Qu'est-ce que tu as? N'importe quoi, imbécile. Qu'est-ce que tu as de bon en toi là? Rien. Mais attends. C'est à moi qu'elle parlait comme ça. Donc elle a ouvert sa bouche pour me répondre de la sorte. Hé, hey, Boubé, je vais t'enseigner une leçon.
Je vais t'enseigner une leçon dans ce village. C'est à moi que tu parlais ainsi. Je vais t'enseigner une leçon que tu ne peux jamais oublier. Je vais te montrer. Je te montrerai de quel bois je m'échauffe, idiote. Regarde-moi ça. Ah. Chérie. Oui. J'étais à la maison de ta femme. Pourquoi? Je ne comprends pas. Qui veux-tu dire par là? J'étais là pour prendre l'argent que tu m'avais promis, non? Ah, l'argent? Hein? Tout le temps, l'argent. C'est ce que tu sais dans cette relation. Tu me demandes l'argent tous les jours. Tu as dit même à tes amis que ta relation est pour l'intérêt. Pourquoi? Et qui a dit que la relation amoureuse est basée sur le sexe? Écoute, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes ce dont j'ai besoin et je te donnerai ce que tu veux. C'est vrai? Je n'ai pas l'argent, Cynthia. Je n'ai pas l'argent. Oui, je n'ai pas l'argent. C'est quoi avec toi? Cette relation est finie. Seulement comme ça? La relation est finie parce que je manque l'argent. Juste comme ça. Tu as tout rejeté parce que je n'ai pas l'argent. Écoute, Peter, pas d'argent, pas de relation, est-ce que tu comprends? C'est vrai? Vraiment. Seulement aujourd'hui, je n'ai pas l'argent et tu as tout gâché. Si je le savais, si je savais que tu es qu'une prostituée. Fainéant. Tu es une prostituée. Stupide. Fainéant. Wow. Que la foudre s'abatte sur ta fesse. Idiote. Tu peux imaginer. Hey, Peter, tu es fini. Peter, tu es inutile. C'est à cause du manque d'argent que cette fille m'a plaqué juste comme ça. Hein? Et Boubé me manque. Et Boubé me manque beaucoup. Ah, Dieu. Toi, je te rai. Hey! Arrête de te faire du mal. Arrête de te faire du mal. Arrête de pleurer, tu vas attirer l'attention. Est-ce que tu t'entends parler? Mon enfant est en train de mourir, tu ne comprends pas. C'est aussi mon enfant. Tu es vraiment sérieux? Tu penses que je suis heureux? Tu penses que je suis heureux du fait qu'il soit mort? Ma chérie, c'est bon. Hein? Calme-toi. Arrête de pleurer. S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mais arrête, non. Arrête. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Hein? Je t'en supplie. Arrête de pleurer. S'il te plaît. Je vais mourir avec mon fils. Mais pourquoi tu fais ça? Je vais mourir. Pourquoi avec tu fais ça? Fils. Calme-toi. Je vais ça va aller. Avec mon fils. S'il te plaît. Je vais mourir arrête. Avec mon fils. Je t'en supplie. Trouve vite une solution. Calme-toi, trouve mon bébé. Ça va aller. Arrête de pleurer. Fils. Tu vois? Mon arrête fils. De pleurer. Ça va aller. Mon calme-toi. Fils. Hein? Calme-toi. Mon fils. Mais pourquoi tu as pleuré? Dégage d'ici, toi, sorcière. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes? Ok, ça suffit. Et Boubé? Oui. Notre enfant était tellement malade. Alors, on l'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a dit qu'il était déjà mort. Mort? Mais pourquoi? Oh. Allons-y, elle va essayer de se moquer de moi. Allons-y. Non, elle essaye de nous aider. Elle va essayer de se moquer de moi. C'est la raison pour laquelle elle nous demande. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Calme-toi. Calme-toi, mon amour. S'il te plaît. Ça marche. Il est en vie. Comment est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, j'ai juste essayé de le toucher. Est-ce que tu as entendu? Oh. Merci. Ça a marché. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Merci vraiment, merci. Merci. Mon fils est rentré. Oh mon Dieu. Oh merci Seigneur. Oh non, ça va, c'est bon. Merci. C'est bon. Ça marche.
Il est vraiment vivant. Ça marche. Ça marche. Donc c'est la vérité. Ça marche. Mes larmes. Merci beaucoup. Merci. De rien, nous ne te remercierons pas assez. De rien. Merci, monsieur. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Mon fils est en vie. Merci. Mes larmes. Ça marche. Mes larmes. J'ai juste dit que je vais essayer et ça a marché. C'est donc vrai. Hey. C'est donc vrai. Ça marche. Mes larmes. Ah, Dieu merci. Merci. Mais, hey. Oh. Hey! Maman! Hey! Hey! C'est arrivé au... Hey! Maman? Maman, viens écouter. Qu'est-ce qu'il y a? La nouvelle. Maman, n'as-tu pas entendu? Entendre quoi? La nouvelle se propage partout dans la communauté. Pardon, tu connais monsieur Ikedi? Ah, je le connais. Bien. Tu connais son bébé? Je connais son... Ah! La nouvelle circule partout qu'il est mort après une courte maladie. Hey! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort! Il est mort! Oh. Ça, ce n'est pas ce qui est plus important de cette nouvelle, maman. Je vais te relater ce qui est plus important de cette nouvelle maintenant. Ok. Monsieur Ike m'avait dit, d'ailleurs, a dit à tout le monde qui était là que quand il revenait de l'hôpital avec l'enfant qui était déjà mort, il a rencontré Eboubé. Et Eboubé a touché les bébés, a mis sa main sur les bébés et les bébés a repris sa vie immédiatement. Hey! Il y a le miracle qui s'est fait, oh! De quel Eboubé tu es en train de parler? Ah, Eboubé, non? La seule que tu connais. La voleuse Eboubé. Mais oui, maman. Qu'est-ce qui te fait rire, maman? Tu ne me crois pas? Quel genre de stupide histoire que tu me relates? Non! Quel genre de fiction que tu me dis? Ce n'est pas une fiction, je te dis la vérité. Eboubé. Oui, maman. Ah! Donc, monsieur Ikedi. Si je comprends bien, il revenait de l'hôpital avec son cadavre de bébé. Et elle est directement à Paris. Non, elle n'était pas à Paris. Ferme ta bouche et laisse-moi te relater l'histoire. Tu vas bien me comprendre. Ok. Et elle est directement à Paris. Et elle a directement déposé sa main sur le bébé. Ce bébé, c'est immédiatement. Ça, c'est vraiment un grand mensonge. Maman, je ne mens pas. C'est un mensonge parce que moi et toi, nous connaissons que rien de bon ne peut sortir dans cette fille. Et la personne qui t'a relaté cette histoire, elle est sorcière comme un poupée. Oui, maman, rien de bon ne peut sortir d'elle. C'est une fille maudite. Mais le monsieur m'a dit... Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et toi aussi. Tu es allé te déambuler pour venir ici avec ta stupide histoire. Vas-y. Non, maman, le monsieur était content. Il partageait du poulet. Il partageait pour tout le monde. J'en avais eu aussi ma part. Il t'a donné le poulet. Oui, maman. Cela veut dire que je dois aussi partir pour prendre mon poulet. Nous en avons tout fini. Ferme bien ma porte, parce que je dois aussi faire un effort. J'arrive là, je prends mon poulet et je vais revenir. Je crois que tu m'as... Maman, Eboubé puissante. Ne permets pas cette fille de me tuer. Ok. Ne permets pas cette fille de me tuer. Je t'ai dit, ne permets pas cette fille de me tuer. Je ne vais pas mourir avant l'âge. Ne l'étrangle pas, maman, pardon. Si je la rencontre, je ne sais pas ce que je ferai d'elle. Hey! Donc Eboubé puissante. Hein? Eboubé puissante. Ne sais-tu pas qu'Eboubé est un sauveur de cette communauté? Elle a touché le bébé et le bébé a repris la vie immédiatement, avec sa main. Hey! Mystère! Hey! Eboubé! Cause everything is working against me, oh. Everyone is against me, oh. The life of an orphan. Men as Odiromba, the name Gakolo, even Munuane.
Pour la première fois dans ce village, quelqu'un m'a dit merci de tout son cœur. Je pense que je me suis trouvé une nouvelle chose. Alors, quel que soit ce don, cela apportera le sourire sur mon visage. Dieu, peu importe ce qu'ils diront, n'aura plus d'effet sur moi. On m'a dit merci pour la première fois. C'est étonnant. Ok. Eau pure. Maman, eau pure. Eau pure. Eau pure. Hé, hey, toi, attends là. N'ose pas faire un pas. Amara, s'il te plaît, dégage de mon chemin. Je dois continuer. Mais qu'est-ce qui te fait croire que les gens achèteront cette eau venant de toi? C'est ce que tu penses? J'ai appris de tes nouvelles que tu as utilisé ta sorcellerie pour ressusciter cet enfant. Non, attends, attends. Donc tu n'es pas seulement une sorcière. Tu es maintenant, tu as pu développer. Tu es maintenant une grande sorcière et tu utilises tes fétiches sur les gens. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Amara, de quoi es-tu en train de parler? Ferme ta gueule! Ferme-la! Ne fais pas semblant comme si tu ne connais pas ce que je suis en train de dire. Tu connais ce que je dis. Qui te donne le pouvoir? Hein? Reviens ici! Tu n'as aucun droit de partir quand je parle. Tu n'as pas ces droits-là. Toi, sorcière, idiote, laisse-moi te dire, n'ose plus jamais me toucher avec tes sales mains maudites. Idiote, vas-y, dégage sur mon chemin, stupide fille. Oh,
Que vais-je faire maintenant? Elle a renversé tout mon eau. Comment vais-je trouver de l'argent? Comment vais-je avoir de l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens du village? Qu'est-ce que j'ai fait à Marachuku? Qu'est-ce que je lui ai vraiment fait? Oh, c'était l'unique argent que j'avais pour vendre, maintenant elle a tout renversé. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à Marachuku? Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Non. Et Boubi, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Ne pleure pas. Tu sais que tes larmes sont précieuses. Arrête de pleurer. Je ne veux pas pleurer. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Eh ouais. Boubé. Boubé, oh. Toc, toc, toc. Laisse-moi vérifier. Vas-y, vérifie. Boubé. 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 Bou. Elle n'est pas là. Mais où est-ce que le passé? Je ne comprends pas. Est-elle endormie? Boubé. Boubé. As-tu entendu une voix? Je n'ai entendu aucune voix. Boubé! Hey! Bim! Je ne pense pas que Boubé est là. Oui. Elle n'est pas là. Tu as raison. Alors, que devons-nous faire? Hey! Je pense qu'on doit déposer tout ça ici et partir. Hein? Faire quoi? Les laisser ici? Non, on ne peut pas faire ça. Tu veux qu'on laisse ici? Alors, si quelqu'un entre et prend la nourriture, part avec. On ne peut pas faire ça. Hein? Pourquoi pas rentrer avec la nourriture? Hein? Peut-être les après-midi ou demain matin, on peut y retourner ici. C'est une bonne idée. Oui. Mais mon mari, es-tu sûr que Boubé n'est pas à l'intérieur ou elle refuse juste de voir? Non. Et Boubé que tu connais n'est pas été dans cette maison. Et qu'elle refuse de nous répondre. Rentre avec la nourriture. On passera après. Si tu dis ainsi, mon mari... Ce qui est important, c'est que nous sommes là. Nous devons rentrer avec. Boubé, es-tu sûr que tu n'es pas à l'intérieur? Elle n'est pas là. Non. Où est-ce qu'elle peut être? Ah. Boubé! Ce n'est pas grave. Demain, on reviendra. Many runo karaga menazo
Quelqu'un était ici. Quelqu'un? Et je peux voir des différentes traces de pas. Cela signifie qu'il y avait des gens ici. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils veulent? Y a-t-il quelqu'un? Eh, Boubé! Elle est là. Bonjour, eh, Boubé. Avez-vous perdu votre chemin? Pas non. Du tout. Ma femme et moi sommes venus te voir. Me voir? Oui. J'espère que tout va bien. Oui, eh, Boubé. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va vraiment très bien. Et bébé, nous t'avons apporté toutes ces choses pour te montrer notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous savons que ce n'est pas assez, mais s'il te plaît, accepte-les. Nous voulons juste te dire merci. Nous avons jeté ce que nous pouvons. Prends seulement ça. C'est une manière de te remercier, de te dire merci. Vous avez apporté toutes ces choses pour me remercier. Oui. Me remercier, oui. Moi et Boubé. Et Boubé, je vais profiter de cette occasion pour te dire que je suis désolée. Pour tout ce que je t'avais fait, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est bon. Écoute, je vous ai déjà pardonné il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai tout oublié. Merci, beaucoup. Et Boubé, en venant ici chez toi, nous avons vu les gens chez Maz et à Diego en train de pleurer. Et quand nous avons demandé ce qui s'est passé, ils nous ont dit que le fils de Maz et à Diego est mort ce matin. Il est mort? Comment? Et pourquoi? On a dit qu'il a été empoisonné. Heya! Chai! Ce sont les actes du diable. Oui. Hey! Il rêvait justement des États-Unis. Hey! Je sais pas comment tu vas l'apprendre, mais tu peux les aider comme tu nous avais aidés, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Écoutez, ce qui s'est passé la dernière fois n'était qu'un miracle. Ce n'était pas dans mon pouvoir. Ah ah! Et Boubé, tu ne peux pas dire ça, non? Ma femme et moi savons très bien que tu es béni. Tu peux juste essayer. Je ne peux pas, mince, c'est impossible. Vous savez, je ne peux vraiment rien faire. Je n'ai personne. Et d'ailleurs, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas. Et s'il me tuait? Te tuer? Qui va te tuer? Et Boubé, je suis en train de te rassurer que personne ne peut lever la main pour te faire du mal. Personne. Fais juste ce que tu avais fait pour nous. Ma femme ici et moi, nous sommes une preuve vivante. Oui. Cet homme est trop jeune pour mourir. Aide-le. Hein? S'il te plaît. Oh,
D'accord. Je vais essayer. Je vais essayer. Merci. Ok, permettez-moi de faire entrer ces choses. Merci. En fait, merci. Laisse-moi juste t'aider merci. Avec ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, je suis vraiment heureuse. Merci. Merci. Oh. Et attention. Jésus, fais attention. Qui amène cette sorcière chez moi? Faites-la sortir de chez moi. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux me dire, Ikedi? Écoute-moi seulement. Hein? Essaye de te calmer d'abord. Oui. Eboube, s'il te plaît, Eboube, reviens. J'aimerais que tu la prennes d'abord. Tu me demandes de la prendre? Tu dois me croire. Je l'ai amenée pour lui. Attends voir ce qu'elle va faire. C'est vrai? Oui. Tu me demandes que je sois calme. Calme-toi. Et la regarder. Et qui a dit? Je t'assure qu'à la fin de cette journée, tu vas apprécier tout ça. S'il te plaît. D'accord. Merci. Mon fils. Eboube, tu as repris la vie. Mon fils. Ah, merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à Dieu Tout-Puissant. Il a repris la vie. Hey, il a repris la vie. Tu comprends maintenant? Je t'avais dit qu'elle fera quelque chose. Hey. Mon fils. Vraiment, merci à Dieu. Merci Tout-Puissant. Viens. Viens, mon fils. Allez. Je suis heureux. Merci. Merci Dieu. Merci Jésus. Ah, mon frère. Vraiment. Il a repris la vie. Ikedi. Maziago. Oui. Il est en vie. Merveilleux. Eboube. Eboube, s'il te plaît, attends. Je suis étonnée. Eboube, attends. C'était une erreur. Eboube. Eboube, attends, non, attends. Eboube, s'il te plaît. Eboube, s'il te plaît, s'il te plaît. Eboube, pourquoi tu t'enfuis juste comme ça? Je ne veux pas être accusée. Je ne veux pas être remarquée. Ah, pourquoi tu es comme ça? J'ai tellement peur. Hein? Et si on venait me tuer pendant la nuit? Qui pourra te tuer, Eboube? Tu viens juste de sauver une vie. Viens dans mes bras, s'il te plaît. Écoute, commence à te considérer toi-même comme une bénédiction, ok? Ok. Permets-moi d'aller à la maison, que je puisse changer mes vêtements. Hein? Je dois y aller maintenant. C'est d'accord, hein? Je viendrai te voir après, ok? D'accord. Bye bye. Eboube, ne sois pas effrayée.
Maman? Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Tu es ici, ça fait très longtemps. Tu penses à quoi? Hey! Mon fils! Hein? Je suis toujours dans l'étonnement pour ce que Boubé a fait hier. Elle a fait revenir cet homme en vie. Tout en imposant sa main sur son front. Oh! Maman, je t'avais dit. Je t'avais dit que Boubé avait posé sa main sur ses bébés et ses bébés avaient repris la vie. Tu m'as traité pour un menteur. Maintenant, tu l'as confirmé de toi-même. Mon fils est tellement incroyable. Oh! Je l'ai vu de mes propres yeux. Sans doute. Ne doute pas. Hey! Maman, cette fille doit avoir quelque chose. Cette fille est mystérieuse. Hey! En plus, pas de problème. Un jour, je les découvrirai et je saurai d'où est-ce qu'elle a eu ses pouvoirs. Hey, écoute bien, mon fils. Tu penses aussi comme je suis en train de penser? Penser à quoi? Oui. Ah, maman, moi, je ne vais pas penser au. Je ne pense pas. Je travaille pour avoir l'argent et je fais ce que mon esprit m'envoie de faire pour avoir l'argent. Hé, hey, mon fils, tu n'es pas sage. Pourquoi tu n'es pas sage? Tu es stupide. Des jeunes garçons comme toi sont en train de penser. Comment ils peuvent devenir grands? Ils sont en train de penser. Mais toi, mon fils, pour que tu penses pour ta vie, tu reviens toujours avec des anciennes idées. Ne t'oublie pas ça. Si toi, tu ne penses pas, moi, toi, moi, je suis en train de penser comment nous pouvons faire pour que au bébé nous revienne et nous excuser auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'avec tout ce qui est arrivé, on ne sait jamais. Hé, hey, c'est maintenant, maman, que tu me donnes raison. Hey, c'est ça? On ne sait jamais. Maman, j'aimerais... de te dire de me montrer là où tu gardes l'argent de ta réunion dans cette maison. Hein? Je suis ton fils unique. Montre-moi là où tu gardes cet argent, comme ça je paie mes réjours avec toi. Tu refuses. Si tu meurs demain, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vois pas pleurer. L'unique chose que je ferai, c'est appeler Eboubé pour te ressusciter de la mort. Une fois que tu reprends la vie, la première des choses à te demander, c'est où est-ce que tu gardes l'argent de la réunion? Où est-ce que ça se trouve? J'irai là-bas le chercher, je le prends et tu retournes à la mort. C'est simple. Tu es stupide. Tu es vraiment, vraiment stupide, hein? Quel genre d'enfant es-tu? Hein? Quel genre de fils es-tu? Beaucoup de jeunes de ton âge pensent comment travailler dur pour rendre leur maman heureuse. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de penser? Tu comptes faire les enquêtes pour vérifier l'argent que j'ai gardé. Écoute-moi, je veux te dire quelque chose. Je ne vais pas mourir. C'est toi qui vas mourir. Tu mourras avant, maman. Tu vas mourir avant. Tu mourras avant. Non, la mort n'a rien à voir avec c'est l'âge. Par âge. Tu es plus âgé que moi, tu mourras avant. Si tu le souhaites vraiment pour moi, tu vas. Pourquoi ne peux-tu pas me montrer là où tu caches cet argent, hein? Chaque jour, tu te plains de cet argent, argent, argent. Montre-moi là où tu le gardes, comme ça je peux prendre une partie. Ah ah! Et où est l'argent que tu avais? Est-ce que j'ai l'argent? Je n'ai pas l'argent, maman. C'est chaque fois que tu me caches cet argent. Est-ce que tu as un petit ami? Hein? Oui, j'en ai. Tu as un petit ami? Oui. Hey! Vous tous venez écouter, oh! Ma mère a un petit ami. Hey! Ce n'est pas étonnant. C'est quoi le nom de ton petit ami? Peter. Ça, c'est mon nom, maman. Tu veux connaître le nom de mon petit ami? Ce n'est pas Peter. C'est ça, on ne se comporte pas comme ça. Tout le monde, écoutez. Oh. Ma mère a... Si je vois cet homme, je vais le tuer. Qui est là? J'arrive. Et Boubé. Si seulement tu es venu m'appeler pour faire le chant, désolée, je n'ai pas envie aujourd'hui. Non, c'est pas pour ça que je suis là. Écoute-moi, non? Pourquoi es-tu là? Je suis venue juste pour te demander pardon. S'il te plaît, je suis désolée. Pardon pourquoi? As-tu offensé quelqu'un? Hein? S'il te plaît, va-t'en. Écoute, je n'ai pas le temps pour tout ceci. Et si tu cherches du trouble, tu le verras. Je vais te frapper. Ah, on n'a pas besoin de ça, non? Ce n'est pas question de se battre. Je suis venue en paix. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein, regarde, je t'apporte quelque chose. Cynthia, tu sais que je ne peux pas recevoir le cadeau venant de toi. Je ne le ferai pas parce que je te connais. Tu vas chercher à te moquer de moi. Et je n'en veux non, pas. Non, je ne me moque pas de toi, non. Hein? Eh, Boubé, s'il te plaît, non. Je me suis agenouillée, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Cynthia, lève-toi. Pourquoi tu t'agenouilles? Arrête ça, lève-toi.
Lève-toi. As-tu accepté mes excuses? Lève-toi. Vraiment. Lève-toi et arrête ça. Merci, alors accepte aussi ça, non? Merci. C'est bon, tu peux partir. Tu t'es déjà fait pardonner. Merci beaucoup, je te verrai après, ok? D'accord, bye-bye. Bye-bye. Comment vas-tu? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Actuellement, je vais me déplacer, alors je voulais venir te voir et te donner quelque chose qui peut t'aider. Ce n'est pas vraiment beaucoup, mais tu dois gérer. Ah, c'est à moi? Exactement, c'est pour toi. Tu dis que c'est insuffisant? C'est plus qu'assez, monsieur. C'est rien du tout. Hey! Écoute-moi très bien. Dès aujourd'hui, tu fais partie de ma responsabilité, ok? Hey! N'hésite pas de venir me voir si tu as besoin de quelque chose. Chai. Sens-toi libre de continuer. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Merci. Je dois aller travailler. Ok, monsieur. Hein, tu sais comment sont ces gens-là. Merci, monsieur. Je t'en prie. Achetez vos bois ici. Les bois sont en train de passer. Achetez vos bois ici. Il y a de bons bois ici. Achetez vos bois ici. Achetez vos bois ici. Achetez vos bois ici. Oguien? Oguien, ma fille. Tu vends les bois? Hein, ma fille? C'est à combien les bois? Es-tu en train de me parler? Ah, ah, calme-toi. Je vais acheter les bois. C'est à combien? Maman? Non. Ok, je vais payer 1500 naira. T'inquiète, je paierai 1500 naira. Mais beaucoup de 500 naira. T'inquiète, moi je te donnerai 1500. Je te donnerai 1500, ma fille. Dépose. Dépose, ma fille. Vas-y. Ok, vas-y. Beaucoup comme ça. Ah, c'est pourquoi tu as souffert. Tu as vraiment souffert. Hey! Je ne pensais pas qu'elle s'apaisait comme ça. Hey! Désolée, désolée, ma fille. Attends, je vais te donner l'argent. Désolée. Ah, merci. Je t'en prie, ma fille. Viens m'aider. Je vais transporter. Non, maman, laisse-moi le porter pour toi. Non, 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 tu n'as pas à t'inquiéter. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter, laisse-moi ma fille. Le porter non, pour je toi. Refuse. Ma maison est juste tout prête et je vais les transporter. Tu as beaucoup souffert avec quand tu faisais des tours. Ma maison est tout prête. Hein? Non, 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 non. Viens, viens m'aider. Je vais les porter. Oh, non. Oui, viens, viens. Aide-moi. Eh, eh, ça pèse. Oh, oh. Eh. Doucement. Ok, tu peux partir à la maison. Hein, ma fille, reste. Vas-y à la maison, tu dois te reposer, ok? Reste là, moi je pars. Est-ce la mère de Peter? La mère de Peter? Pourquoi est-elle si gentille envers moi? Mais pourquoi tout le monde devient très gentil envers moi? Je ne comprends pas. $1500 juste pour le bois que j'avais porté. Cause everything is working against me. Oh. Everyone is against me. Oh. The life.
Bon après-midi. Bienvenue. Est-ce que je vois? Et j'espère que tout va bien. Oui, tu as sécurité. Tout va bien. Nous sommes venus te remercier de ce que tu as fait pour nous la fois dernière. Celle qui t'avait ramené de la vie. Je sais. C'est lui qui... Depuis que j'ai perdu ma femme, je devrais également perdre mon fils. Mais grâce à toi, prends cette nourriture que nous t'avons apportée. S'il te plaît, gère ça. La belle jeune femme qui a sauvé ma vie. Oui. Sérieusement, je ne sais pas comment te remercier. Mais elle s'est gravée dans mon cœur. Vraiment. Et c'est pour cela qu'on est ici avec ces petites choses. Et ça, s'il te plaît, j'aimerais que tu gères ça. S'il te plaît, approche, n'aie pas peur. S'il te plaît. Et puis... Je te laisse mon père lui prendre soin de toi. Comment? S'il te plaît. S'il te plaît. Prends ça pour moi, s'il te plaît. Prends-le. S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Ce n'est pas assez beaucoup. Non, pas du tout. C'est pas beaucoup. Accepte-les. Approche. Eh? Merci beaucoup. Merci. Et prenez soin de vous. Bonne année. Très bien. Nous prenons congé de toi maintenant. Laisse-moi te rappeler. Si tu as besoin de l'aide, viens justement nous chercher à la maison. Et tu l'auras. N'oublie pas de faire entrer ton colis. Très bien. Au revoir. Life has no meaning. Ah. Cause everything is working against me. Oh. Everyone is against me. Oh. The life of an orphan. When you feel me look and what did I do? Well, on your major love. Many run or garag. Men as a body rumba. Then you got a color. Even more than a Amara, je sais que l'énergie positive qui est sur moi récemment est vraiment en train de te faire mal. Hein? Mais ma chère, ce n'est pas de ma faute que tu n'aies pas une énergie positive. Ce n'est pas de ma faute. Toi, sorcière, dans tes rêves, regarde-toi. Regarde qui essaye de se défendre. De toutes les façons, ce n'est pas pour ça que je suis là. Le fœtus que tu avais fait sur cet homme pour qu'il puisse t'épouser, il t'a fait abandonner. Et qui dit que je voulais qu'il puisse m'épouser? Et pourquoi tu as utilisé tes charmes sur lui? Écoute-moi, Ebobé. Peu importe ce que tu fais, peu importe le jeu que tu joues, tu resteras toujours maudite, Ebobé. Sache-le. Amara. S'il te plaît, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je ne veux pas rester debout ici et perdre mon temps avec toi. S'il te plaît, sors de ma parcelle. Dégage! Dégage! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Elle n'a pas pleuré.
Elle était même en train de bouder, se faire la tête et me pousser dehors. Avec autorité. Ah ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a donné cette autorité? Ha! 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 Amara, tu es perdue. Tu es perdue. Pourquoi aller encore l'affronter? J'ai déjà perdu ce combat. Cette fille est plus que moi. Hey! Hey! Eboubé. Tu m'as fait peur. Désolé. Comment vas-tu? En quoi puis-je t'aider? Je suis venu te payer l'argent d'avoir arrangé la ferme l'autre jour. Ça fait vraiment longtemps. Non, vas-y, tu n'as pas à le payer. S'il te plaît, je t'en supplie. Accepte cet argent. Désolé pour tout ce que je t'ai fait. Si tu n'acceptes pas cet argent, mon esprit ne sera pas en paix. S'il te plaît, je t'en supplie. Prends. S'il te plaît. Je vais même ajouter une somme. Une autre Merci. Chose. Merci. Juste une chose. Juste une question. As-tu pardonné ma famille et moi? Oui, déjà. Tu peux me dire. Juste comme ça. Merci. Que je parte. Merci. Et vous? Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais très bien. Oh. Tu es venue me rendre visite aujourd'hui. Bien, je suis venue demander ici comment se portait mon ami et aussi voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Je vais parfaitement bien et il n'y a rien que tu peux faire. Je peux bien t'aider. J'étais juste en train de balayer. Ah, ok. Je t'ai apporté quelque chose. Oh. Oui, laisse-moi te le déposer là-bas. Ah, ok. T'inquiète pas, donne-moi, je vais t'aider. Tu peux aller faire d'autres choses. Laisse-moi faire ça. Il n'y a plus rien à faire. Je sais, mais trouve-toi un travail. Moi, je fais ça. D'accord. Ah, ok. Il y a quoi dans ce sac? C'est du sucre et du pain. Attends, tu vas voir. On a ici. Je sais que tu n'as pas encore mangé. Je le sais bien. Tu travailles toujours. S'il te plaît, mange quelque chose. Merci. Je t'en prie. Ah! Salut. Bon après-midi. Je ne savais pas que tu étais revenu des États-Unis. Puis-je t'avoir? Oui. Eboubé, laisse-moi te permettre de causer un peu. Je reviens. Merci. En fait, il faut que je parte. Mais je n'arrive pas à arrêter. Mon cœur n'arrive pas à arrêter. De passer à cette belle créature que j'ai vue. Et c'est pour cela que je suis revenu te voir. Je ne comprends pas. En fait, une chose pour laquelle je suis venu, et c'est ça. Je suis venu pour ça.
s'il te plaît. Où allons-nous? Je veux échanger ton accoutrement, arranger tes cheveux et t'arranger toi. Qu'est-ce que tu penses? Oh, je suis bien de cette manière et j'aime aussi mes cheveux comme ça, je ne vais pas les changer. Tu es ma femme, tu dois vraiment être digne d'être traitée ainsi. Tu dois être très bien. Ta femme? Attends un peu. J'espère que tu n'es pas ce genre d'homme qui sort avec le fils sans leur consentement, hein? Je suis l'un de ceux qui épousent les femmes sans leur consentement. Tu es vraiment fier de ce que tu dis. Arrête, ça c'est un compliment et j'aime ça. S'il te plaît, arrête ça. Je ne peux pas arrêter. C'est sans aucun sens. Oh, arrête. Je dois retourner à la maison. Tu sais quoi? Je te promets une chose, je vais te retourner à la maison. Je n'irai nulle part, je vais juste rentrer chez moi. Écoute, peux-tu juste partir avec moi? Hein? Je te promets, je veux réaliser ta promesse. Tu vas d'abord me ramener parce que j'ai des trucs à faire. Bien sûr, je le ferai, je le ferai. Et Boubé, tu es trop belle. Regarde comment tu es claire. Et même ton sourire est trop beau. Je le remercie tellement. Écoute, il m'a amené quelque part dans la ville. Ok. Il m'a acheté des vêtements, la tresse. Il est vraiment gentil. Des parfums. Et après, nous sommes allés voir son père. Il est si gentil. Je le remercie de tout cœur. Et Boubé, tu es vraiment chanceuse. Alors dis-moi, si tu t'es demandé de l'épouser. Ah, je dirais non. Ah. Je ne peux pas l'épouser. Juste parce qu'il a fait ceci. Écoute, Boubé. Je sens comme si Dieu utilise cette occasion pour te bénir. Je veux dire toutes les bénédictions que tu manquais durant toute ta vie. Écoute, cet homme revient justement des États-Unis, oh. Quelques semaines juste après qu'il était déjà parti. Cela montre déjà qu'il t'aime, oh. Mais elle n'a pas demandé de l'épouser, non? Et donc, Boubé, tu as utilisé tes gris-gris pour le ramener encore dans ce village. Du fait qu'il est en train de te gâter et te traiter comme une reine que tu n'es pas et que tu ne seras jamais. Oh, tu veux dire que la reine qu'elle est et que tu ne le seras jamais. Est-ce que je t'ai adressé la parole, Pete? Reviens à la normale. Reviens à la normale. Arrête de te voiler la face. Tout le monde est content pour Eboubé, sauf toi. Amara, ne vois-tu pas que ta méchanceté commence à te créer des rides sur ton visage? Oui, tu ne peux pas les voir. Sandra, moi? Oh. Des rides? Eboubé, allons-y, s'il te plaît. Je sais quoi faire. On te laisse parler derrière nous. J'en finirai avec vous. Vous aurez des nouvelles. Au revoir. Bande d'idiotes. Regardez-le. Ya. Alors, tu sais que nous sommes hâte pour aujourd'hui. Oh oui, moi
aussi, j'ai quelque chose. Tu sais quoi? Je pensais qu'on rentre avec toi aux États-Unis. Qu'y penses-tu? Voyons. Tu es en train de plaisanter. Pourquoi tu rigoles? Je suis vraiment sérieux. Hey, je n'ai même pas de passeport. Arrête ça. Arrête. Écoute, tu vois, tes papiers, je peux les préparer juste dans peu de minutes. Et puis ça sera fait. Es-tu sérieux? Sérieux. Attends. C'est le prix pour moi de t'épouser. Non, ce n'est pas une obligation. Tu as le droit de dire non si tu ne fais pas. Dire non? Oui. Est-ce que tu te regardes? Je veux dire, t'es-tu vraiment bien regardé? Oh, arrête. Regarde-moi bien. Regarde les beaux garçons. Ah, tu as vraiment du courage. Vas-y, dis-les-moi encore. Vraiment mauvais. Hein, tu as raison. Mais, attends, tu as raison. Excuse-moi, s'il te plaît. Tu es vraiment sérieux à propos de ça? Bien sûr. D'ailleurs, je vais t'épouser et après ça, nous allons rentrer aux États-Unis. C'est ça mon intention. Tu en es sûr? Je suis sérieux. Je ne blague pas. Voyons, j'aime ce regard. Très bien. Veux-tu? Mmh. Oh, alors? Oui, on l'a fait. Oui. Allons à l'intérieur. Très bien. Alors, c'est vraiment sérieux? C'est le cas. Non, ce n'est pas pour ça. J'étais juste excité. Non, pas encore. Oui, je ne vais pas aller Papa? Tout seul. Papa? Je suis désolée de t'avoir aidé ici. Pas de problème, maman. Pas de problème. Comment je peux appeler cette visite? Maman, je me marie bientôt. T'es mariée? Et Boubé, ma. T'es mariée? Oui, maman. Hey! Ah, ah! Ça, c'est bien. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Je remercie Dieu pour toi. Merci. Oh. Hey! Maman, je suis venue vous parler parce que je voulais d'un renseignement sur qu'est-ce que fait la femme. Alors, on m'a dit que tu es la leader de femme. Alors, nous devons faire ensemble la liste des choses que je dois lui reconnaître. Voilà pourquoi je suis ici, maman. Ah, tu n'as pas un problème, ma fille. Je vais le faire pour toi. Je vais le faire. Ne t'inquiète pas, sinon, je vais le faire pour toi. Je le ferai pour toi. Je vais faire la liste. Je parlerai avec les femmes et je vais te donner les comptes rendus. Nous allons vraiment le faire pour toi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Pas de problème, maman. Merci. Alors, c'est quand le jour du mariage? La semaine prochaine, maman, parce que mon mari est supposé rentrer aux États-Unis. États-Unis? États-Unis oui. D'Amérique? Oui, maman. Et Boubé? Maman. Mes félicitations! Merci. Hey! Hein? Ça, c'est vraiment bien. Je suis heureuse pour toi. C'est ton mari qui t'appelle? Oh, non, c'est mon beau-père. Le papa de ton mari? Oh, mais non, cela veut dire qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est bien. Oui, cela veut dire qu'il t'aime beaucoup. C'est okay, bon. Mais je dois m'en aller maintenant. Ok, dites-leur que je les ai salués. Je leur dirai, maman. Merci. Hey, oh, Boubé. Mariage. Aucun enfant. Il n'y a pas d'enfant qu'on peut négliger. Oh, Boubé. Je dirais peu importe ce qu'est l'enfant et on ne connaît jamais son futur. Pour. C'est un enfant qui connaît le futur. C'est tellement joli. Merci. Regarde-toi. Oh. Tu es jolie, mon amie. J'ai tellement hâte. Cynthia, arrête. Je suis vraiment heureuse. Oh, mon Dieu. Je suis aussi heureuse. C'est mon grand jour. Ah oui, c'est une grande journée. Alors, tu dois avoir un bon sourire sur ton visage. Ne le vois-tu pas? C'est une femme mariée, alors fais attention avec elle, s'il te plaît.
Tous sont déjà arrivés? Oui, je vérifie, tout est prêt. On attend que toi. D'accord. Bien, allons-y qu'on ne soit pas en retard. Ok. C'est le moment. Doucement. Eric, oui, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Oui, papa. Mais de prime abord, prends bien soin d'elle. Tu comprends? Je vais prier pour vous. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous protège et vous amène aux États-Unis d'Amérique. Amen. Comme tu étais venu en sécurité, rentre en sécurité. Amen. Que cela soit en nom puissant de celui qu'on appelle Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénira. Bon voyage. Merci, papa. Bon voyage. Ce que j'entends de vous, c'est de m'appeler au téléphone. Papa, vous comprenez ce que je veux dire, non? Très bien, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, merci beaucoup. Allez-y. Bon voyage. Allez-y bien. Au revoir mes enfants, au revoir, bon voyage mes enfants. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Life has no meaning for me. Life has no meaning for me. 'Cause everything is working against me. Everyone is against me. No. The life of an orphan, when you feel me look and draw. What did I do?